Cathy, Christy, concentrez-vous bien. Concentrez-vous. Il faut que vous soyez bien concentrés. Elle est dans une espèce d'état de transe, je sais pas, quelqu'un les met en transe. T'as trouvé ça où? Dans un carton de genre 80 cassettes que les anciens propriétaires ont laissé au sous-sol. Ça a au moins 20 ans, ça. Dis-moi ce que tu vois. Je crois que je vois deux hommes. Comment vous vous appelez? Ryan. Mike. On est les frères Flitch. Des frères. Papa, j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bruits dans ma chambre. Il y a des bruits dans ta chambre? D'accord. Bon, papa va monter pour voir si... Hitch! À tes souhaits. C'est quoi ce délire? T'as vu ça? Il faut qu'on trouve les autres cassettes, Mike. Mike, la caméra. Franchement, il se passe des choses étranges ici. Il y a plein de boutons de réglage. Oh non, j'y crois pas. T'arrives à la porter? Elle est cool, trop grande! Elle est trop grande! C'est bizarre. Je vois quelque chose quand je regarde dans la caméra. C'est quoi ça? Je crois que cette caméra peut voir des choses qu'on peut pas voir à l'œil nu. C'est incroyable. J'ai entendu parler d'esprits sur des photos, mais perso, j'en ai jamais vu. Ah ah. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Irem Stolp. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle parle à l'envers. Irem Stolp, Bloody Mary. Elle dit Bloody Mary? Je sais pas ce qui se passe, mais ça a un rapport avec les cassettes. Bloody Mary. C'est la première fois qu'elle dessine quelque chose comme ça. Comment elle a pu monter aussi haut? Ah! Il va m'emmener avec lui. Qui? Toby. Et si quelqu'un avait tout fait pour qu'on s'installe dans cette maison? Il n'y a pas de coïncidence. Je crois qu'elle fait partie d'une prophétie. Mike, ne bouge pas. Il y a quelque chose derrière toi.